Dans le cadre de la retraite de l'équipe dirigeante du bureau régional de la Banque mondiale, les personnels venant du Burkina Faso, du Tchad et du Niger ont effectué une visite guidée dans les locaux de l'ONG Sabama DCI à la découverte des manuscrits anciens de Tombouctou. C'est l'histoire de l'Afrique et l'histoire de l'humanité qui est ainsi conservée. C'est un immense plaisir d'avoir une connaissance ce que nous avons vu ici, ça a été vraiment une révélation extraordinaire. Le travail que l'ONG fait est incroyablement important. Je crois que dans tout le monde, on n'a aucune idée de la richesse qui existait ici, en Afrique. Et vraiment, le travail que l'ONG fait pour vraiment faire, pour montrer à tout le monde, pour préserver les manuscrits dans tous les sujets, l'astronomie, la médecine, la jurisprudence, l'histoire, est un travail extrêmement important. Les manuscrits parlent de tous les événements. Mais avant tout, ce qui m'a surpris, c'est vraiment l'existence de tout ça. Un ONG qui fait un travail extraordinaire. Et bon, mon appel est à tout le monde de l'appuyer. Il faut appuyer ce travail, il faut sauvegarder ces manuscrits, il faut diffuser, disséminer à tout le monde. Abdoulkader Haïdara, le président de l'ONG Sabama DCI. Vraiment, c'est une satisfaction pour voir le travail des banques mondiales de Washington, du Mali, du Tchad, du Niger, du Burkina, qui sont venus voir le manuscrit, voir l'état des manuscrits, nous demander ce qu'on fait, demander nos problèmes. Et je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui. Et surtout que le manuscrit appartient à tout le monde, parce que c'est un patrimoine national du Mali. Donc tout le monde peut en profiter, peut l'utiliser, peut venir ici faire des recherches et peut nous aider aussi à bien conserver ce patrimoine riche qu'on a ici. Pour un rappel, l'ONG Sabama DCI a pour objectif de contribuer à la protection, à la sauvegarde et à la valorisation des manuscrits anciens de Tombouctou.